Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo très spéciale qui n'est pas du tout facile à monter, déjà à tourner, c'est déjà première chose. Je viens toucher votre bon cœur. Alors c'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout, c'est pour tout simplement Flynn. Alors, qui est Flynn? Oui, je vais pas tourner 107 ans autour du pot, déjà que c'est assez compliqué comme ça. C'est une jument de 13 ans avec laquelle travaille ma belle-fille Samantha et qui, malheureusement, c'est une jument qui a un petit problème de santé, elle est asthmatique. Et ses propriétaires, veulent s'en séparer. Bon, je vous fais pas de dessin, hein, si elle ne retrouve pas un acheteur rapidement, les écuries où travaille Sam ne peuvent pas la racheter ou ne veulent pas parce que X raison, hein, je ne suis pas rentrée dans les détails non plus. Toujours est-il que beaucoup des personnes qui ont appris à monter à cheval l'ont fait avec Flynn et ne veulent pas la laisser partir à l'abattoir. Voilà, hein, on va dire les mots comme ils doivent être dits, c'est ils veulent pas la laisser partir à l'abattoir. Donc ils ont ouvert une cagnotte et ils espèrent récolter un maximum de dons pour essayer de sauver Flynn. Donc Flynn, donc je vais vous passer la photo là en boucle. Hein. Donc 13 ans, asthmatique. Et c'est une jument qui est adorable dans la mesure où elle s'occupe, enfin elle travaille avec les enfants handicapés. Samantha, ma belle-fille, donc qui est coach équestre, s'occupe des enfants handicapés et travaille donc avec Flynn, qui est d'une douceur à toute épreuve, qui est très sensitive. Enfin bref, vous comprenez, elle a quelque chose, les animaux ont quelque chose avec les gens qui ont un problème et Flynn a ce quelque chose. Donc, elle n'a jamais un sabot plus rapide que l'autre et ben, elle est adorable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est vraiment adorable. Beaucoup ont commencé à monter avec Flynn et ne veulent pas la laisser partir. Donc, ils se sont tous mis de façon à pouvoir la garder auprès d'eux. Que vous dire d'autre? Rien de particulier, hein. C'est voilà, c'est un exercice que je n'avais encore jamais fait, mais que pas évident, hein. Dur, dur. Je vais probablement être ridicule, mais je m'en fous, dans la mesure où c'est pour une bonne cause. Il y en a, ils le font pour rien, hein. Enfin bref, c'est une autre histoire. Voilà. Je vous mettrai le lien de la cagnotte. Comment ça se passe? Eh ben, c'est anonyme. Hein. Je crois que on est. Enfin, moi, je me suis mise. Je ne sais plus comment j'ai. En anonyme ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, peu importe. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez. Il n'y a rien d'obligatoire. Hein. C'est voilà. Il se passera ce qui se passera. Ma belle-fille, elle, de toute façon, a dans l'optique de récupérer Flynn, mais c'est sûr que si elle pouvait en avoir le moins possible à emprunter pour pouvoir la sauver, ben voilà, ça serait le plus grand des bonheurs. Alors en plus, ben, c'est son anniversaire à Sam aujourd'hui, donc voilà, nous sommes le 14 avril. Joyeux anniversaire, ma belle, hein. Tu vois, je t'ai fait la vidéo, en plus ça sort le jour de ton anniversaire.
Ça, c'était pas du tout calculé, hein. Mais voilà. Je vous mettrai le lien aussi, si toutefois il y en a un, ou tout du moins l'adresse des écuries. Bon, je sais que par les temps qui courent, c'est pas évident de se déplacer, mais si il y en a qui étaient sceptiques et qui veulent vérifier que voilà, les choses existent, hein, qu'il y a bien les écuries tissiers qui existent, que ça me fait des courses équestres également, donc vous pouvez avoir un tas de renseignements, que je ne raconte pas de bêtises, hein, je suis absolument transparente. Et surtout quand et en plus c'est une histoire d'argent et il est hors de question qu'il y ait des malentendus et des sous-entendus. Donc voilà. Donc tout simplement, cagnotte litchi, 50 centimes, 1 euro, enfin ce que vous avez, enfin si ce que vous pouvez. Ce sera toujours ça de plus en moins ou de que Sam n'aura pas à aller chercher ailleurs. Mais ça lui sera d'un très 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 grand secours. Merci pour Flynn, merci pour Sam, merci de m'avoir écouté et ben merci tout simplement. Bisous!